Si nous regardons les 20 dernières années, nous pouvons facilement comprendre que la plupart des familles afghanes veulent envoyer leurs enfants à l'école, mais elles n'ont pas pu le faire en raison de l'immoralité sociale et de l'inconduite généralisée. Avec l'annonce des récentes politiques, des milliers d'Afghans auront la possibilité d'envoyer leurs enfants poursuivre les études supérieures. C'est pourquoi j'ai dit aux établissements privés qu'il y aurait une augmentation du nombre des étudiants après la mise en œuvre de la nouvelle politique, et ils ont confirmé ce problème.